Donc c'est le jour de la PLC, il est 7h10, je me suis levée à 6h45. Je vais faire comme la dernière fois, je vais vous déposer et vous montrer le poids après. Chiffre 3-14-2. Je vais écrire à l'écran. Combien j'ai perdu dans la semaine, mais vous pouvez faire le calcul facilement en regardant, en écoutant ma dernière vidéo. Puis on se revoit au dîner. Il est 10h53. Donc c'est l'heure du dîner. J'avais le choix entre de la pizza, puis j'ai commandé de la pizza hier pour la famille. Ou quoi d'autre? J'ai des œufs. Mais je pense que je vais y aller avec mes wings. J'ai goût de manger des wings. Donc, voici les wings. C'est des wings buffalo que je vais mettre dans l'air fryer pendant 20 minutes. Puis je vais vous montrer mon assiette après. Donc voilà mon dîner. Des wings buffalo, une pêche et un verre de lait au chocolat noir. C'est du lait d'amande. Et ici mon nouveau planner que ma soeur m'a donné pour ma fête. Ma fête c'était le 12 juillet. J'ai eu 27 ans. Pour information. C'est ça. Donc on se voit au souper. Donc voilà le souper pour ce soir. C'est du filet de sole avec du sel, poivre, huile d'olive, Old Bay. La salade César, du riz, Uncle Ben's. Mais moi je mangerai pas de riz, je mange juste la salade. Donc voici mon souper. J'ai 3 filets de sole puis la salade César. Écoutez, ok, ça arrive des fois, ok, ça arrive, je sais qu'on est lundi, je suis pas supposée de manger du sucre le soir, mais ça arrive, ok. J'ai ma nièce qui est avec moi pour une semaine, je vais vous montrer ce que je me suis acheté. Mais dans le fond, on s'est acheté des slushs, wow. Moi j'ai pris bleu, rouge, vert, elle a le prix rouge, bleu, puis avec ça j'ai acheté des petites pailles en bonbons, elles sont plus longues que ça, là, mais... soit genre long comme le papier. Fait que c'est mon petit treat. Ok? Je le dois. Donc on est mardi, 11h, c'est l'heure du dîner. Aujourd'hui j'ai décidé de manger des tacos. Ça c'est ma viande à tacos qui restait dans le frigo. Je vais mettre du fromage mozzarella, de la salsa, de la crème sauce 5%, de la sriracha. Et avec ça j'ai un verre de lait d'amande au chocolat noir et une pêche. Et pour dessert, je sais pas encore, mais ça va probablement être un sandwich à la crème glacée. Si j'ai encore faim. Je vais vous montrer mon assiette quand ça va être prêt. Donc voilà. Voici le souper de ce soir. Donc c'est 2 tournes d'eau de poulet au bacon avec de la salade de choux traditionnelle et du fromage en grain. C'est tout. Donc on est mercredi. Puis voilà mon dîner, fait que je vais me faire 2 œufs, j'ai du bacon, puis je vais me faire un demi bagel plein goût avec du fromage à la crème, puis une pêche, puis ça va être tout pour mon dîner. Donc voilà mon assiette, j'ai mes œufs ici, j'ai pas mis de fromage parce que j'ai du fromage à la crème, bacon et pêche. Puis comme dessert, ben je vais pas prendre de dessert parce que ma soeur m'a emmené un cappuccino, fait que ça c'était mon sucre, ma boisson sucrée pour la journée. Voilà mon souper pour ce soir, c'est du griot avec du riz collé et une banane plantain. C'est un repas style haïtien, puis c'est ça. J'avais pas le goût de faire à manger, fait qu'on a été chercher ça, puis pourquoi j'ai poussé ça le souper. Je vais juste rajouter du pickles parce que c'est délicieux dans la bouche. Il n'y a plus vraiment de jus dedans, là, mais... dans le fond, c'est comme un... des carottes, du chou râpé, mariné dans du piment scotch bonnet, des épices. C'est vraiment piquant. C'est vraiment bon. Donc voilà, c'est tout. J'ai déjà mangé ma pêche, puis un petit bout de banane en plantain. Fait finalement, j'ai laissé ça, parce que j'en avais pris trop. Je me suis pris un CLR. Bonjour, c'est l'heure du dîner. On est jeudi.
11 heures et je vais dans le fond manger une portion de mon riz parce qu'il faut que j'en mange parce que je veux pas le perdre. Puis le reste de la viande qui est là-dedans. Je vais manger ça avec une pêche. Et il y a aussi une banane plantain. Je vais vous montrer mon assiette après. Et c'est tout. Donc voilà le souper de ce soir. C'est des spaghettis à la sauce Alfredo au fromage à la crème avec des crevettes et des pétanques et de la sauce sriracha. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'ai fait une boulette. En fait, pas juste aujourd'hui. Je pense que j'ai fait une boulette pas mal toute la semaine. C'est ma troisième sludge de la semaine. Parce que je suis faible. Non, mais pour vrai, genre, je suis dans ma semaine. Je suis tombée menstruée aujourd'hui. Puis genre, toute la semaine, j'ai eu des cravings de sucre. Puis je me suis vraiment empêchée d'en manger. Mais là, c'est comme trop, là. J'ai été chercher une slush. Je me sens pas tant mal. Puis malgré que j'ai eu des petites erreurs un peu partout dans la semaine, je pense quand même contrôler bien mon poids. Puis je suis chill. Puis tout ça. Fait que... c'est ça. À demain. Il est... 12h49. On est vendredi. Et puis pour dîner... j'ai pas beaucoup de restants, ça me tentait pas de remanger mes pâtes aux crevettes. Donc, je vais me faire juste un wrap tacos. Puis, j'ai aussi été chercher un petit cappuccino glacé. Donc, ça c'était ma boisson. Puis, hier soir, ben, vous l'avez vu, là, j'ai bu une slush. Mais, c'est ça. Fait qu'on se prépare au souper. Donc, il est 12h51, on est vendredi. J'ai dû faire prendre une prise de sang à mon fils, donc je mange un peu plus tard. J'ai pris un petit cappuccino glacé au Tim Hortons ce matin. Quand je suis revenue, en fait, il était 11h, fait que j'étais dans ma période où je mangeais. Puis là, j'ai pas trop faim parce que j'ai la bedaine pleine à cause du capuch. Mais je vais me forcer un peu parce que sinon, je sais, je vais avoir trop faim tantôt. Donc je vais faire un wrap tacos avec... de la viande, du fromage, crème sauce, salsa, sriracha. Puis sur la viande, je vais mettre du fromage, au micro-ondes. Puis dans le fond, il y en a trop, tu sais, pour un. Fait que je vais juste manger de la viande seule, avec juste comme de même. Parce que je veux pas manger un autre pain. Fait que ça va me faire comme plus de protéines. Puis on se revoit au souper. Voici mon dîner. Mon wrap avec la viande extra côté. Puis je vais probablement manger une pêche avec, puis je mangerai pas de dessert. Donc pour le souper, j'ai pas pu filmer parce que j'étais pas à la maison. On a fait des commissions, fait que on a arrêté au McDo. J'ai mangé deux juniors au poulet, je dirais une demi-moyenne frite, puis quelques gorgées de jus. Puis c'est tout. Je pense pas manger encore à soir. Mais si oui, je vais en remettre.